coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Train Renovation Simulator qui est un jeu dans lequel on va retaper des gares pour les remettre à neuf. On va donc réparer ce qui est cassé, remplacer les meubles, nettoyer, repeindre, se débarrasser des déchets, reconnecter l'électricité et toutes ces choses. A savoir que là je vais vous présenter une bêta fermée qui n'est pas disponible au grand public et que normalement on n'a pas le droit de faire de vidéo sur cette bêta, mais j'ai obtenu la permission en contactant directement le développeur. Et à savoir que les inscriptions à la bêta sont terminées, elles sont finies il y a une semaine. Par contre, j'ai réussi à obtenir 3 clés du jeu que je vais vous distribuer au travers d'une loterie. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y participer. Donc là, on a la campagne du jeu. Si je ne me trompe pas, il n'y a que cette première mission de disponible. Je n'ai pas réussi à débloquer les suivantes dans mes essais précédents, mais bon, on va voir. Donc, en avant. Nous voici à la gare et je vois qu'elle est en mauvais état. Je vois des fenêtres cassées, des graffitis, des endroits pas très propres. Il y a des déchets un petit peu partout. Il va falloir remplacer certains bancs et je pense qu'il va falloir retirer la rouille de certains des rails. Donc là, on a vraiment un gros job, mais bon, on est payé pour cela. Et par chance, j'ai un paquet d'outils pour m'aider. Donc vous avez des pinceaux, des pieds de biche, des éponges, les mains, des balais et tout cela, ce qui va vous permettre de nettoyer, réparer et remplacer ce qu'il faut. À savoir que je peux passer d'un outil à l'autre à tout moment. Par contre, certains outils, comme celui-ci, doivent être ramassés et posés une fois qu'on a fini de les utiliser. Je ne peux pas utiliser un autre outil tant que je ne l'ai pas posé. Donc ça, c'est en général pour des jobs un petit peu plus gros. Donc je vais avoir besoin de 2 choses pour démarrer. Donc déjà, c'est un container pour les déchets séparés. Donc on vient là. Donc là, on peut mettre du carton, papier. Là, on va mettre du plastique et là, du verre. À chaque fois que je mets un sac de poubelle plein dans un de ces endroits, je vais être payé pour le tri du déchet. Et on va également avoir besoin... Hop, d'un autre container pour l'aider. Ah, alors je suis bloqué par quelque chose. Là, c'est pour les... Ah, voilà, c'est probablement ça. C'est si on ne trie pas, on va avoir besoin de ce container. Donc, c'est pour les déchets que l'on ne veut pas trier ou que l'on ne peut pas trier. Par contre, je ne suis pas payé pour poser les choses là-dedans. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir... Bah tiens, je vais ramasser des déchets. Hop. Par exemple, non, pas toi. On va ramasser toi. Non, toi, t'es trop gros. On va prendre la bouteille en verre. Et vous pouvez voir que la barre, hein, en haut à gauche, du verre, c'est un petit peu rempli. Une fois que c'est plein, je vais avoir un sac poubelle qui va apparaître, ce qui va me permettre ensuite d'aller le mettre là-bas. Alors, on continue. On va essayer de nettoyer déjà le devant. Puis après, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis après, alors déjà, on s'occupe des déchets. Et après, on va aller réparer ce qui est vraiment cassé. On va nettoyer. Là, je veux juste faire de la place. Ça, je pense pas. Ah, si, je peux quand même le ramasser. C'est quoi? C'était du l'autre. Ok. Ça, ça a été patché, il me semble, parce que ce n'était pas présent auparavant. Ah, et ça, ça va donc aller directement là-bas. Alors, tac. 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 Le bois, je peux rien faire. Il me faut un outil, donc il me faut le pied de biche. Là, je vais bientôt remplir un sac poubelle de plastoc et un de verre. Donc là, on a un autre endroit où on peut mettre... bah c'est tout, il y a... Ah, alors, par là. Je sors le petit scan, au cas où. On a quelque chose là-dedans. Ouh, c'est pas propre, on ira après. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de bouteilles que ça. D'accord, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus à première vue. Alors, peut-être qu'il y en a là-dedans. Hop. Donc, je peux casser hein, les portes si je veux. Ouh, effectivement, il y a plus de choses là. Donc, c'est parti. Tac, tac. Tac, et la barre est presque pleine. Ça, ça va dans quoi? Dans autre chose. Il y a des sacs poubelles là. Ouh, attention, regardez. Voilà. Donc ça, c'est un de plastique. Donc je vais te mettre là, et je vais essayer... Et voilà, voilà. Alors c'est parti. Donc celui-là est vert, c'est du vert, je suppose. Ouais, c'est bien le vert, là, voilà. Alors on va te mettre dedans, si j'y arrive. Voilà, je vais te faire bien tourner, parce que si... Si je te pose bien, sinon tu vas boucher. Voilà. Boum. On te met dedans. Donc là, je vais pouvoir en mettre d'autres. Et je vais être payé. Voilà. Plus 180 pour le sac. Et je vais faire la même chose avec lui. Donc il y en a plusieurs comme ça. Donc je vais être payé directement pour le tri. Et j'essaye de bien les placer. Parce qu'une fois que ça c'est plein, il faut vider le container. Et je vais payer 200 pour cela. Hein, donc voilà. Toi, tu vas là-dedans. On est payé encore. Et je crois que j'en ai vu un autre jaune dedans. Voilà, il y en a un bleu. Le bleu, c'est le papier. Donc même si j'ai pas hein, rempli moi-même mon propre sac de déchets, quelqu'un l'a fait pour moi avant. Donc on est bon, on est bon. Et on va mettre le papier. Attention, tac, voilà. Oula, ouais, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Tu es là. Tu es ici. Bon,
Là, je vais peut-être commencer à nettoyer un petit peu avant de continuer à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a tellement de choses à faire que... Voilà. Ah, lui, je l'ai mieux posé que l'autre. Alors, une fois que c'est dedans, je peux plus les bouger, donc faut faire attention à ça. Bon, alors, je vais mettre les cailloux là-dedans, hein, ça, on n'en a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin, on peut pas les mettre ailleurs, donc autant les mettre là-dedans. Et quand même, ouais. Ça, je pense pas que... Ça, je crois que je dois les mettre ici, hein, je... Que je peux en faire autre chose. Virer, j'espère qu'il n'y a aucun train qui se ramène pendant que je fais le nécessaire. Bon. D'accord, je commence à avoir un petit peu trop de choses. Et on va devoir. On va, oh non, hop, non, mauvais, mauvais. Là, j'ai ouvert autre chose. On va devoir retirer les bancs. Ça, c'est fait. Je vais en mettre d'autres. Ah, bon. Te ramasser un autre banc à retirer parce que je peux te casser. Non, à l'intérieur, je pense que je peux attirer toi. Le verre, ah, ça va directement dans mon sac. Parfait. Ah, il y a également des toiles d'araignée. Est-ce que je peux? D'accord, ça viendra plus tard. Oh là là, qu'est-ce que c'est crados! Oh là là! D'accord, ah ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cafard dans le coin? Là, au moins, ça me donnait. Hop, ça me fait un peu de revenus supplémentaires. Hein, donc, on a également une motivation, non seulement on est payé pour le job, mais en plus, on gagne de l'argent de recycler le tout. Et certains ont déjà fait le boulot partiellement pour nous. Avec certains sacs qui sont déjà préfaits. Alors. Ensuite, ici. Ouh, ok. Je l'ai complètement réparé. C'est réparé là? D'accord, hein, je pensais pas que je peux la remplacer comme ça? Ouais, c'est remplacé, d'accord. Bah, c'est carrément. C'est génial. Alors, on va prendre. Ah, je sais quoi, j'appuie tab, mais c'est pas tab. Voilà. C'est la molette de la souris pour une raison inconnue. J'aime bien appuyer tab pour changer d'outil en général. Et pas les autres objets. Ah, c'est tout, ça qu'on est bon. Voilà. Une autre fenêtre. Bon, ça, c'est un peu simple, ça. Je pensais quand même que je devais acheter la fenêtre avant d'en mettre une nouvelle. De la poser. Voilà. Toi, je peux pas te retirer. Ah, ça va falloir le vider là-bas. Bon, alors, on va déposer toi. Il me faut les mains vides. Hop, les mains libres. Alors, hop. Et on va te mettre là-dedans. Alors, je te mets bien comme ça. J'essaie de... Voilà. J'essaie de gagner un petit peu d'emplacement. Ça coûte 200 pour nettoyer, vider ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, tant qu'à faire, hein, on fait des économies là où on peut. Voilà, c'est bon, c'est bon, ok, c'est bon. Alors ça c'est des poubelles standards, ça peut pas aller dans le recyclage. Alors les développeurs ont prévenu qu'ils ont un patch qui devrait arriver le 20. Et un autre qui va arriver le 27. Alors je pense, je sais pas si c'est pour ajouter du contenu ou si c'est pour juste des bugs. Mais je suis intéressé de voir ça. À savoir qu'il y a déjà pas mal de contenu dans cette alpha. Ou plutôt on va dire bêta, ouais. Ça a plus vraiment de sens maintenant, le nom alpha, bêta. Ça c'est quoi ça? Est-ce que ça pourrait aller dans le... Je sais pas. Alors si je mets quelque chose qui ne doit pas aller là-bas, je suis pénalisé. Mais on va essayer, on va voir. Tu rentres dedans, si je peux le reprendre, c'est qu'il est pas, dedans. Ok. Alors, je crois qu'il n'y a plus de place en fait. D'accord. On va vider. Hein, on va vider. C'est pas grave. Hop. Payer 200 et on va essayer de te mettre dedans. Est-ce que je vais être pénalisé? Ah, j'étais pénalisé. Moins 360. Vraiment? C'est un petit peu. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah, il faut respecter le recyclage. Hein, à l'avenir de la planète et tout. Et en nos mains.
Bon, bah là, du coup, je sais que maintenant, je ne mets rien d'autre que des sacs poubelles là-bas. Il faut pas mettre les cartons. Pas... Il me dit peut-être qu'il y avait quelque chose dans le carton qui était pas pour là-bas. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va sortir l'éponge. Ah, là, c'est pour peindre, d'accord. Donc l'éponge, ça va être pour les graffitis. On est parti. Là, vous pouvez voir, il y a un petit segment vert sur la réticule. Ça représente bah, la progression hein, du nettoyage du graffiti. On y va. Après, il va falloir changer. Il faudra réparer. Peut-être qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'électricité. Il faut que je vois s'il y a de l'électricité d'ailleurs ici, dans la gare. Par contre, ouais, les graffitis, ça met du temps. Alors, est-ce qu'il y a de l'électricité? Ça, je sais pas si je peux faire quelque chose. On va dedans. Ah, il nous faut ça. Voilà. Il n'y a pas d'électricité, effectivement. Donc il me faut... Oh là là, regardez comment c'est crado. Comment je vais m'en sortir? Ça va dans papier. D'accord, c'est des sacs vides donc. Voilà. Ça nous aide à rembourser un petit peu nos pertes. Du coup, d'avant, de laisser. Oh, les cigarettes partout. Les mégots. J'étais pas vos mégots par terre, les gens. Alors. Il y a des poubelles partout. Voilà. Ok, donc on va reprendre ça. Et on a deux sacs poubelles à mettre. Ce qui va les deux rembourser ma perte d'avant. Alors, hop, on met comme ça. Hop là. zut, j'aurais dû le mettre plus sur son côté. Bon, c'est pas grave, là il a pris beaucoup de place. Ensuite, toi. Petit à petit, hein, on progresse, hein. Il y a de moins en moins de saleté dans le coin. Alors, hop, sur le côté, j'ai appris ma leçon. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux. Ça. C'est quoi ça, un psychoseux? Il y a un cadavre dedans ou... Bon, tu vas là-bas. Ensuite, toi, tu vas là. Parfait. Et je me dis, l'électricité. Tellement de choses à faire et probablement vers là. Alors, je vais essayer de vraiment de le remplir lui avant de demander de nettoyer. Alors, il me faut le balai. Ah, oui, c'est pas le balai lui. C'est lui. Ouh. Alors, ah. Ah. Il y a des choses par terre que je dois nettoyer. Non. Ouais, à mon avis, il va falloir vraiment retirer tous ces meubles. On les démonte. ouais. Là, des sacs poubelles. Je peux vous casser, je peux pas vous casser. Et donc moi, ce que je veux, ça serait ouvrir là. Et je pense que pour lui, ouais, il me faut le cutter. Donc c'est l'autre. Là, ce qu'il y a dans mon pick-up. Donc on y va. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, j'en avais besoin et je le savais. On est à Cleanville. D'accord, elle n'est pas vraiment propre, hein, la ville propre. Alors, hop. Voilà, pas d'animation, c'est dommage. On te pose là pour le moment, est-ce que je peux te lâcher? Voilà, ici. On ouvre. Et alors je me rappelle plus ce qu'il faut faire à ce niveau-là. C'est bon? Ah, ça a l'air bon, c'est tout? C'est bon! D'accord, bah là on a l'électricité, c'est retour à la civilisation. Bon, bah là ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de tous les sacs poubelles qu'il y a un peu partout.
je vide. Ah, le container. Ouh. Ça a pas retiré ça. Donc ça, c'est pas censé aller dedans. Et je peux effectivement le retirer. C'est un problème pour moi. Parce que si c'est pas retiré... Ah, ça prend de la place pour rien. D'accord, je ne m'y attendais pas. Mais au prochain container que l'on va vider, on va retirer ça. D'accord, donc là j'en ai vidé 3. Et vous pouvez voir que là j'ai démarré à 15 000. Et là je suis à 14 280. Donc j'ai eu un peu de perte malgré le fait que j'ai quand même recyclé des choses. Mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du job. À la fin, on va recevoir pas mal d'argent. Alors, on est pas loin d'être bon, hein, je pense, à l'extérieur. Mais c'est les intérieurs. Là, on est vide au passage. Hein, vous pouvez voir. On est vide. Il faudra nettoyer. Une fois que j'ai. Ah, le scanner est pas prêt. Une fois que j'ai viré la majorité des déchets, on va pouvoir commencer à vraiment repeindre ce genre de choses. Il faudrait que je vois également si j'ai besoin de bosser sur les rails. J'ai pas vérifié. Il faut les scanner parce que c'est pas facile de voir la rouille. Alors, ici, nous avons quoi? Ça, c'est. Ah, quand même des petites choses. Hop. Ça va dans autre. Donc les sacs autres vont aller dans le conteneur général. Alors je suis pas obligé de tout faire, je peux à tout moment quitter. Hein, là on a le tablette, je peux finir le job. Mais là on est loin d'être bon. Au passage j'ai également un magasin pour acheter hein, des choses pour remplacer. Donc il n'y a pas énormément de possibilités pour le moment. Mais bon le jeu est en... pour les achats je parle bien entendu. Mais le jeu est en cours de développement donc c'est normal. Il n'est même pas encore disponible publiquement. Donc voilà, vous avez quand même une alpha hein, en cours, une bêta, mais c'est tout. Alors avec ça, par contre il y en a qui sont vraiment bien cachés. Hein. Et le scanner est pas, a pas une portée gigantesque, j'espère que le... Ah, ça s'est ramassé, j'espère qu'il y a un moyen en montant de level d'améliorer nos outils pour scanner plus loin, genre de choses. On est bon dans le coin là? Ok, alors, je vais... Ah, toi. On va te mettre dedans. Est-ce que mon scanner est up? Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a besoin de bosser sur les rails. C'est tout bénef pour nous, un petit peu moins de boulot. Je suis pas payé hein, pour chaque tâche. Je suis payé pour le résultat final. Bon. Là, il n'y a rien. Parfois, il peut y avoir un petit truc caché que l'on peut récupérer. Bien. Alors, on va essayer de finir ce bâtiment-là. Passe un petit coup de scan au cas où. Non, on est bon. Je vais finir ce bâtiment-là avant de passer à la gare elle-même. Hein. Donc là, c'est le... Je sais pas comment le décrire. C'est là où concierge va mettre tous ses outils et tout. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, il va falloir passer un coup de balai. Un autre graffiti. Oh, les gens. Les gens et leur graffiti, je comprendrai jamais. Non seulement, je trouve ça moche. Mais pourquoi? Alors. Hop. Et un autre en moins. C'est pas un graffiti. Ah, toi. Ah, et on a également ça à retirer. Ça, je pense que je vais pas pouvoir le récupérer en bois. Il va falloir le jeter dans la benne. Il est plus long que l'autre. Hein. T'as utilisé quoi comme peinture, mon gars, là, pour celui-là? Il voulait vraiment pas qu'on les fasse. Hein. Et je vais devoir le retirer avant de finir. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, je le finis avant parce que je sais pas si je vais, si ça va se remettre à zéro, vous voyez. Alors, toi, tu vas là-bas. Ok. Encore un tout petit peu de place. Un petit peu de place. Et on finit celui-ci. Ah, celui-là, il part vite, vous voyez, contrairement à l'autre. Facilement. Et là, c'est rapide, mais c'est vraiment à la misère de virer des graffitis. Alors, tac. Voilà. Et ça, c'est sa graffiti. Ah, ça, c'est la misère, parce que c'est juste... C'est quoi qu'ils écrit? King Life. Bon, l'extérieur est presque fait. Oh, il y en a encore dedans. On va... Ah, toi. Faudrait un raccourci. Je sais pas s'il y en a un.
pour revenir direct, hein, pas juste défiler l'un à l'autre, pour revenir directement aux mains libres. Et on va sortir le balai. Ah, c'est pas le bon. Il faut la brosse. Ça? Ah. Ah oui, là je repeins en fait. Ouais, je sais pas, là je sais pas si ça compte vraiment. Hein. Bon, ouais, là c'est un peu long, donc on va faire bah, tout l'extérieur. Alors, j'ai presque fini de retirer tous les graffitis de la zone. Je ne sais pas si je vais vous montrer tout l'accéléré ou si je vais le couper. Parce que bah, y a beaucoup de mouvements de caméra, vous voyez, quand je nettoie. Et je pense qu'en x5, en x6, ça ne va pas être agréable à regarder. Mais je vais faire des tests. Donc, à voir si j'inclus les accélérés ou pas dans cet épisode. Et alors, il y a eu beaucoup de graffitis. Il reste encore des endroits à nettoyer. Mais on va mettre le reste de côté temporairement. Je vais m'occuper des toiles d'araignée. Hop. Voilà, je vais voir s'il y a d'autres endroits. Est-ce que je peux... Non, il n'y a rien sur le sol. Ah, quand même un petit peu de saleté. Est-ce que je peux... Ah. Ah, j'ai pas besoin de ramasser les mégots. Je peux tout simplement passer le balai. Ça, c'est bon. Si? Quand même passer le balai, d'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Alors, il y a vraiment des gens qui ont squatté à cet endroit. Hein. Pour être franc, vu les meubles, les matelas, les boîtes de pizza et tout cela, les bouteilles et canettes de bière, quelqu'un est venu là et a passé quelques semaines, hein. Même quelques mois, je pense. Voilà. Il faut retirer ce qu'il y a là pour pouvoir nettoyer le reste. Donc on va passer à celui-là. Et il y a pas mal, hein. Vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Bon, alors maintenant, on revient là avec les mains. On va reprendre quelque chose là. Ce qui devrait me débloquer peut-être. Un nouveau sac. Voilà. Ah. Ah, ça c'est un sac de déchets standard. Celui-là, je vais pas pouvoir le recycler. Mais gauche, comme ça va. Hop. C'est tout. Peut-être par là, il y a des petites choses qui restent. Ouh là, attention. Ouais, ici. Bidon d'essence. Qu'est-ce que tu fais avec un bidon d'essence cet endroit? Côté du lit, pourquoi pas. Alors, on va jeter, donc ça c'est du bleu. Oh là là, il y a encore beaucoup de déchets. Il y a encore beaucoup de déchets à virer. Bon, on va peut-être quand même... Allez, on va se débarrasser de ça. Ah. Hop. Je
Je peux pas prendre juste le bidon. Je peux pas prendre le bidon. Et je peux plus te soulever. D'accord, en fait le bidon est coincé parce qu'il était considéré dedans. D'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Ah, ouais. Alors, on va acheter des petites choses. On a des bancs à acheter. Puis on va en acheter plusieurs. D'un coup. On en a besoin de trois au minimum. Ah oui. Maintenant, je vais dans mon inventaire et je vais mettre les bancs ici. Donc. Pas besoin de les remettre. Je vais te poser. Je pense qu'ils vont me remercier. 1, 2. Ouais. Est-ce que je peux te déplacer? Si, je peux te déplacer. Ok. On va te poser. Non, ah, c'est pas parfait, mais ça va faire l'affaire. Il y en avait trois, hein, je pense. Tac, ça c'est fait. Je crois que j'ai viré les poubelles. Est-ce qu'il y en a que l'on peut qu'on peut acheter? Ouais. Pour leur mégot. 1, 2, 3. Et on va dans l'inventaire. Mais là, je sais pas si j'ai vraiment besoin de les mettre pour être franc. Tac. Tac. Ah. Un petit peu. D'accord. Ah, là. Ah non, mauvais. On a besoin de l'éponge, je crois. Non, c'est là. C'est toi. D'accord. Beaucoup de boulot de nettoyage. Et là, franchement, je suis pas bluffé par la peinture. D'accord, pour nettoyer, c'est bien fait. On le fait pas d'un coup, c'est pièce par pièce, mais ça, faut l'améliorer. Là, je repeins pas. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et... Ça me fait vraiment penser, par contre, à ce que je fais dans Farmers Dynasty, c'est pensé. C'est vraiment similaire. Hein. C'est pas le même studio, par contre, mais il est. Je me demande si dans Farmers Dynasty n'est pas fait avec Playway. Hein. Non, c'est pas Playway qui édite le jeu. Alors, je pense pas pouvoir remettre des plantes. J'ai vu qu'il y a des petits arbres. Ça va être rapide normalement. Quel morceau même. Ah bah c'est bon. Bon, on en a d'autres à faire. Alors, ça devient bon. J'ai presque vidé complètement ce qu'il y a là. J'ai d'ailleurs au passage placé une autre benne ici pour que ce soit plus rapide. Donc, on revire. Ouais, tout presque a été viré. Ah, toi, t'es toujours. Ouais, t'es toujours.
Comme tu es, on devinera plus tard. Et je viens de voir qu'effectivement, en fait, en bas à droite, on voit le nombre de chaises et de bancs nécessaires. Donc, il nous faut encore une. Bah, tiens, on va acheter ça tout de suite. Hop, il faut une poubelle. Voilà. Et il nous faut deux bancs. Deux bancs ou chaises. Mais bon, on va mettre des bancs. J'ai pas vraiment de chaises, en fait, pour le moment. Donc, ah oui, et ne pas oublier de les mettre dans l'inventaire. Et on va au moins terminer l'arrivée des passagers. Alors, on va te poser. Il faut que je revoie. Pas facile de. Ok. Ça a tendance à dériver vers la droite, là. Comme ça. Et ouais, c'est pas parfait, mais voilà. Ah, ouais, j'ai mis trop de poubelles. Ah, ok, en vrai, j'en avais une en trop. D'accord, bah tiens, attends, je pense qu'il en faut une probablement dedans. Regarde, ouais, il en faut une. Alors, on va en mettre une à l'entrée. Là, et il en faut justement deux, donc c'est parfait. C'est parfait. Ah, je vais prendre laquelle? Toi. Et on va les replacer du coup parce qu'elles sont mal mises. Alors, mais là. Et alors, toi, on va te mettre à côté plutôt de ça. Ici. Voilà. Bon. Je fais ce que je peux. Ils vont se dire, le gars qui a fait tout ça, ouais, il aurait pu mieux placer les choses. Mais bon, ça c'est fait. Et nous regardons à l'intérieur. Donc toi, on va. Toi, t'es plus considéré comme un bon bras. Gros bouton. On va le virer. Est-ce que je peux virer toi également? Donc toi, il faut te ramasser. On démonte. Et j'aime Tina. D'accord, Tina. Et un autre banc ici. La fenêtre là-bas, on est bon. Et. Ah, à chaque fois je me gourde de boutons. On va te ramener. Et on va gagner un petit peu d'argent. Parce que là, j'ai déjà claqué 5 000 en plus. Hein, sans compter tout ce que j'ai gagné. Donc au total, là, j'ai dû claquer 7 000, 8 000. Parce que j'ai gagné quand même pas mal d'argent avec le recyclable. Alors, on a dit. Je vais essayer de voilà, mettre un peu sur le côté. Si j'y arrive. Oula. Ok. Donc pas du tout bon là. Pas du tout bon. Bon, c'est fait. Et on a. Toi à mettre ici et vous pouvez voir on est à 95 des enfin, il y a des pourcentages il y a la peinture on est à 97 le premier je sais pas c'est le symbole de quoi c'est ramasser les déchets par terre donc là on sera à 96% 50% des meubles à poser ah, et puis après je sais pas trop ce que c'est alors hop donc, toi, on va le mettre là-dedans. Si j'ai un regret quand même avec le jeu, c'est que c'est juste trop de clics et laisser penser. C'est vraiment le problème avec ce genre de jeu car il est dur d'aller trop en profondeur côté gameplay sans faire quelque chose de juste trop long hein, parce qu'on doit faire certaines tâches à un nombre de fois assez incroyable. Donc si les interactions étaient trop longues, ça serait vraiment pas agréable. Mais bon, quand même, là je fais juste cliquer. Bon, alors. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, toi. On va devoir te virer également. Hop. Et on a ça à retirer. Désolé pour le gars qui aime Tina. Mais je pense que Tina évite cet endroit. Hein, donc elle va pas voir ton message. Enfin, tant que j'ai pas fini de nettoyer, Mais bon. Une fois que j'ai fini de nettoyer, ce sera à nouveau visitable. Alors, ça c'est bon. Tac. Et le tétina. Et voilà. Bon, par contre, la lumière est pas terrible, mais bon. Et alors, qu'est-ce qui. Ah, mégot.
Voilà, 97% pour les mégots, c'était la première catégorie. Et qu'est-ce qu'il me faut? 5 bancs. Est-ce que je vais avoir l'argent pour? Ouais, je vais avoir l'argent pour. On achète. On met ça dans notre inventaire. Alors, c'est plus simple là, vu qu'on a le mur pour. Plus simple de les mettre, on va dire, parallèle. Propre. Voilà, Migo là. Là partout. Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque une poubelle? Une sur deux? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y en a deux là. Ok. Celle-ci qui compte pas? Celle-ci ne compte pas. D'accord, là elle compte. Et apparemment, il y a encore un petit déchet quelque part ici que je ne vois pas. Ah, c'est la porte. Il va falloir la revirer. Et là, ils me disent qu'il y a un gros. Ah, le sac poubelle de l'ancienne porte. Mais le sac poubelle est passé où? À moins que ce soit à l'extérieur. Ah, ensuite, scan. Petit déchet. Ah, ici. Ça, les déchets lourds. On va te mettre là, vu que on doit vider lui. Et c'est lui, je pense. C'est lui le gros déchet, là. Est-ce que je peux. Pas te casser. À quoi tu sers, toi? Je sais pas à quoi tu sers. Bon. Ça, c'est fait. On est à 96% du job. Ah, ça fera le ramener chez nous. Ici, à la porte. Ouais. On en met une nouvelle. Il n'y a pas de fenêtre. On est. Ah. Là. Gros caillou. 97%. On va dedans, ici. Il faut trois meubles et une poubelle. Alors, poubelle là. On l'achète. Et meubles. Ça coûte tout cher, très cher, ça, j'ai presque plus d'argent. Ouais, j'espère qu'ils ont calculé pour que je puisse finir. Enfin, c'est vrai qu'on est à 97%, j'ai plus trop à m'inquiéter. Toi, là. Et là. Alors, tac. Poubelle à l'entrée. Mettre la table juste à côté. Voilà. Et là, apparemment, il y a deux petits déchets quelque part. Voilà. C'est fini. Je crois que c'est fini. On te ramène à notre véhicule. Je me demande si j'ai besoin de. Si j'ai besoin de me débat de vider ce qu'il y a dedans. Non, je crois qu'on est bon, j'ai pas besoin de vider ce qu'il y a là-dedans. Bah, je suis à 98, 95, 99. Donc il y a quelque chose quelque part qu'il reste, mais bon, hein, c'est probablement assez caché. Donc je pense que l'on peut honnêtement on peut dire que le job est terminé. Et j'ai pas eu à virer la rouille des rails. Je m'attendais à devoir le faire. Et je pense que ça, c'est probablement quelque chose qui reste à régler. Ah, ça? Non, non, on est bon. Ok. Voilà. Alors maintenant, terminer le job et on va être payé. Donc 98%, 5 étoiles. Est-ce que tu es sûr de vouloir terminer? Oui. Alors, donne-moi mon argent. Je veux mon argent. Quoi, j'ai pas été payé? Pas été payé. Non. Vraiment? D'accord, j'ai pas été payé pour le job, mais bon, c'est comme ça. Voilà, du coup, ça me bloque un petit peu pour la suite, là. Ah, ouais. Et je peux pas prendre, choisir un autre boulot. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est la campagne complète et on peut progresser. Enfin, je demande aux développeurs s'il y a moyen de faire un autre endroit. En tout cas, bah voilà, hein, je vous ai présenté le type de gameplay que le jeu nous propose. Il y a de bonnes idées, hein, donc derrière le gameplay, rénover une station
de train est intéressant. Par contre, j'ai bien peur que le gameplay est trop redondant. Se débarrasser des... Il faut vraiment qu'il fasse beaucoup de boulot sur les compétences et sur l'équipement. Parce que là, ce que j'ai fait a été assez long. Je ne sais pas exactement quelle durée, mais je pense que j'ai dû passer une heure et demie pour l'enregistrement en dehors des coupures, en comptant les coupures et les accélérer. Mais j'ai fait trop de fois la même chose. Il faut qu'il débloque de nouveaux outils pour que l'on puisse sortir le Karcher, par exemple, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Il faut qu'il diversifie un petit peu le gameplay. Là, vous voyez, je clique et... Faut vraiment qu'ils fassent plus de choses comme ils ont fait pour la salle d'électricité où on a mis quelques petits fusibles, hein, et là il faut qu'ils nous fassent d'autres choses, donc plus de fusibles, connecter des câbles, changer les lampes, les ampoules, pardon. Il faut plus d'action, plus de puzzle dans le gameplay sans trop abuser, bien entendu, pour garder notre attention et pour que les choses restent intéressantes au bout de la deuxième et de la troisième gare. Il faut également des compétences pour faire les choses plus rapidement, d'autres moyens de gagner de l'argent, tout cela. Donc là, ils ont une idée. J'espère qu'ils vont pouvoir bosser dessus pour améliorer le tout. Et alors oui, au passage, le jeu est en bêta fermée. On n'a normalement pas le droit de faire une présentation du jeu, mais j'ai obtenu l'autorisation du développeur directement, hein, en les contactant pour faire cette présentation. Voilà, donc merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu pour me faire plaisir et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye!